Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on va reprendre là, la dernière fois, se dire après une défense victorieuse, après avoir défendu victorieusement contre les Mongols et avoir repris certaines de leurs terres, comme je vous avais dit hors vidéo. Hein. Et maintenant, nous en repartir en guerre, bien évidemment. Comme pas vous laisser un épisode sans guerre. Donc en tout premier, on va déclarer la guerre à ce machin là, à Cassier. Peut-être sûrement même. C'est même pas peut-être, sûrement quelques petites guerres saintes ici. Pour récupérer quelques royaumes. J'ai plus mon escorte de cavalerie. Mon escorte de cavalerie sûrement contre eux. Je vais peut-être faire encore une guerre ou deux contre eux. Pour venir. J'ai une revendication sur ce duché là étant donné que c'est une comtesse qu'il a. Donc je peux revendiquer Orvieto, donc je sais ce que je vais faire après. Et quelques revendications là-haut. Donc voilà, ce sera à peu près ce qui va vous attendre pour cette vidéo et la suivante. Hein. Mais en premier lieu, nous allons nous occuper des petits rebelles. Ah ah, tu fais un complot. Des duchés de... vu que l'autre est en prison, pourquoi pas. C'est toujours pareil. Je revendique en fait ce qui m'arrange. Et je préfère que c'est des personnes qui m'apprécient, qui aient les... Donc les pouvoirs. Hein. Plutôt que ce soit quelqu'un qui me mette un peu un coup dans le dos. Une fois que j'ai le dos tourné. Je constate là avec effarement que la guerre pour l'Empire Byzantin n'est toujours pas finie. Je sais pas avec combien de vidéos qu'a commencé cette guerre, mais elle est toujours là. Et j'espère qu'elle va vite se finir, sinon je serai obligé d'utiliser un petit code pour que ça s'arrange. Hein. Oui, parfois ça arrive qu'il y ait des petits bugs comme ça, et le seul moyen que je connais pour que corriger ce problème, c'est de foutre en l'air. Le titre d'Empire Byzantin. Voilà. C'est dit, c'est fait. C'est le seul moyen que j'ai trouvé. Mais bon. En attendant, nous avons nos guerres. Donc cette guerre-là... Ensuite... Lui me fait pas peur, donc si je peux... Non. C'est plutôt ici. J'ai une baisse de FPS, c'est impressionnant. On va pas. Je vous parie que c'est encore le même problème que j'ai eu le dernier coup. Oh là, mais c'est. Comment ça se fait que j'ai une baisse de FPS comme ça? C'est. Attendez, je trouve d'où ça vient et je reviens. Oh, ma retour au bureau à corriger le problème. Bizarre, bizarre, mais bon. Corrigé. Enfin, vite dit. Hein. Donc j'ai quoi? Oh, un évêché. Bon, espérons qu'on n'ait pas de nouveau ce problème par la suite, on verra bien. Tant que ça marche, c'est bon signe. Attaquant, défense. Je vais soutenir le royaume de Barcelone.
Parce que ça m'évite de faire la guerre à la même personne. Si je fais une seule fois, ça me permettra de faire la guerre à lui et à lui pour récupérer deux territoires au lieu d'en récupérer un par guerre. Oui, c'est stratégique, je sais. Après tout, c'est le but du jeu, que ça soit stratégique. Donc, on se dépêche de prendre possession des terres qui nous reviennent. Ouais, qui nous reviennent. Ouais. Je n'expliquerai jamais les chutes de FPS sur ce jeu, mais bon, c'est pas grave. Non, c'est déplacé. Donc voilà, j'ai une escorte assez puissante. Hein. On dirait que j'en ai même 3. Donc on va pas s'en plaindre des 3 escorts. Là-bas, on lance le siège. Je sais pas qui je vais mettre en général. Lui. Oui, allez hop. Allez hop, allez hop, allez hop. La première guerre est gagnée. Et lui, il va avoir Agape accordé, le comté d'Agape avec tout ce qu'il y a dedans. Il y a normalement le duché d'Agape qu'on peut créer. Donc duché, duché, duché d'Alep avec Benio, tout ce qu'il y a dedans, voilà. Bon, maintenant, on va faire la guerre contre lui. Anatolie, ça doit être ici de mémoire, attendez, on va regarder ça. Anatolie, c'est ça. Donc l'Empire byzantin, Fonesquia, se fait totalement déposséder de ses terres. Enfin même plus que déposséder de ses terres. J'ai des terres ici, c'est quoi ces conneries? On n'a toujours pas corrigé ce bug là, c'est pas grave. Bon. Bien évidemment on va faire plein de guerres saintes maintenant. Que c'est les guerres les plus faciles à faire et qui apporte le plus de terre le plus rapidement. J'ai totalement exposé l'armée de Castille. Ça, ouais, l'armée de Castille. Ah d'accord.
Ah d'accord, c'est comme ça. Donc en fait, eux ils ont fait la guerre pour, sur eux pour récupérer le territoire et moi je viens de me faire en fait avoir un territoire. Ils m'ont bien eu, faut le dire. Grand Silver. Bon. La Horde d'Or, donc c'est ça que j'attendais en fait initialement d'arriver mongol. Va probablement être celle qui va faire le plus de dégâts. Parce que mine de rien, c'est la plus conséquente de tous, de toutes les hordes. Bon, faut savoir que Horde d'Or fait partie de la grande partie. Disons que l'Empire mongol avait été divisé en quatre parties. L'Horde d'Or s'occupait de l'ouest et on avait trois autres parties à l'est. Et Horde d'Or sera celle qui atteindra les portes de l'Occident et qui arrivera à battre la Hongrie à l'époque là. Donc c'est celle-ci vraiment qui va faire le plus de dégâts. Parce que la première horde mongole va plutôt s'arrêter dans tous les pays entre guillemets païens. Parce que justement c'est ces pays-là qui posaient problème. Donc l'Occident, quand je dis posait problème pour l'Occident, mais que c'était des pays qui contrôlaient pas. Donc pour eux, quand les Mongols sont arrivés, ils se sont dit ouais ils vont conquérir cela et ça va pas être un problème. Justement, ils vont continuer à aller plus loin. Ce qui va d'ailleurs leur faire beaucoup de tort. Hein. Et ça va au final aboutir sur le fait que... qu'ils vont perdre un peu tout. Étant donné que je vous remets la Hongrie. Hein. Voilà. Donc, vous voyez à peu près jusqu'où ils sont arrivés. Hein. Donc j'ai envie de dire, c'était quand même une bonne petite guerre. Pour dire ce qu'il y a. Et moi je vais redéclarer la guerre. Tartarie, le coffre. Donc l'Horde d'Or reste et restera la plus puissante horde mongole connue en Occident. Elle restera un petit moment, mais au final, les dégâts occasionnés ne sont pas si importants que ça. Pas si important que ça, bon, entre guillemets, parce que le nombre de troupes décédées sont quand même énormes. Mais bon, ça a permis en fait de mettre en place, de montrer les défauts des stratégies occidentaux, étant donné que les Mongols reposaient énormément sur une cavalerie rapide d'harcèlement. Et la cavalerie occidentale reposait sur un affrontement direct, brutal, puissant, et c'est tout. La guerre est gagnée. Donc voilà, c'est un peu en fait les mêmes problèmes que vous rencontrez la cavalerie lourde occidentale contre les stratégies un peu arabes durant les croisades, étant donné que ça sera exactement le même problème. Ils vont se heurter une armée beaucoup plus mobile et qui peut largement pousser à harceler, et ils vont pas réussir justement à les rattraper au final. Pas déclare la guerre, c'est va s'élever. Oui, c'est logique. Ouais, c'est... ça reste la même logique.
Il est hors d'or de mémoire. Va en fait reprendre les... là où s'est arrêté ben eux. Donc je spang. Normalement il devrait attaquer en haut. Ici. Mais je vous rappelle que le dernier coup, la horde de... cette horde-là, normalement, devait attaquer par ici. Donc à tour, c'était fait aléatoire qu'on ne peut pas gérer. Ben, pas gérer. Pas tant gérer que ça. Mais bon. On va essayer de contrôler ce facteur. Lui, on va lui déclarer la guerre. Pour Antioche. Et le seigneur de Tartarie, j'espère qu'il va se faire totalement envahir. Je suis méchant. Ce qui me permettra par la suite de... par la suite de récupérer en guerre sainte en fait. Cadeau, ambitieux, courageux. Comme toujours, il me parle de bataille que je ne participe même pas. On va s'habituer de toute façon à ça. Mettre fin au complot, voilà. L'avantage de ce que je fais, c'est que là, en fait, je revendique uniquement le territoire, dans la guerre sainte, ça aurait été exactement le même territoire. Ce qui permet d'éviter d'avoir tous les pays arabes sur votre poids. Pour dire vrai, en réalité, je m'en fiche complètement. D'accord. Ce canal me déclare la guerre. Je sais pas où est sa logique. Hein. Que je vous rappelle qu'à dernier coup, je l'ai un peu brisé en deux, ce bonhomme. On a récupéré quelques terres, bon ça j'ai récupéré hors antenne les terres, mais j'en ai récupéré comme un petit paquet chez lui. Mais bon, s'il aime se faire matraquer, hein. Regardez. Oh, il n'y a que 10 000 hommes. Ça, on a eu des jumelles. Hein. Ça m'étonnerait pas que je laisse la peau sur cette histoire. Est-ce que cette maladie là est très grave pour l'époque hein. C'est pas une petite maladie maintenant, c'est guérissable. Mais à l'époque c'est une maladie très rare. Enfin très rare, très grave je veux dire. Et quand vous la contractiez, c'était synonyme de mort. Hein. Faut dire ce qui est. Personnellement, ça m'étonnerait pas que je meure sur cette histoire. Hein, donc, je me prépare à la succession. Hein. Ce sera une impératrice qui va succéder à l'histoire. Bon, le mauvais point, c'est que j'ai toujours pas mis les successeurs que je voulais pour chacun. Ah oui. Anaclico Conatif, cela n'y est pas. Pourquoi je vais pas mettre ma... Ah, c'est celle-là qu'il faut que je mette. C'est ça. Et voilà, c'est bien ça. Cette là je pourrais pas la mettre, mais sur ces royaumes-là, je peux normalement la mettre. Duc, 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 duc. Comte, princesse, princesse Elisa. Voilà. Et il faut prévoir le coup, je perds des royaumes. Ah,
Acre, Acre, c'est où? C'est ici. Bon ben, hein, on va y récupérer par la suite cette petite forteresse. C'est un gros avantage en fait des ordres templiers, des ordres religieux, c'est que vous pouvez facilement récupérer des terres étant donné qu'ils sont pas beaucoup de fiefs, excepté ordre teutonique. Mais bon, ça c'est une autre paire de manches. Justement, en parlant des ordres, hein, faut savoir qu'il y a trois ordres principaux, l'ordre du temple, donc l'ordre des templiers, l'ordre des hospitaliers qui regroupe en fait beaucoup d'ordres différents, et l'ordre teutonique. L'ordre teutonique sera beaucoup plus connu étant donné que ce sera elle qui devra s'occuper de tout ce qui est mettre fin au sous la demande du roi de Pologne, je précise, de détruire la Lituanie, donc de mettre fin à la barbarie, c'est ce que disait la Pologne, mais c'était parce qu'ils étaient païens en fait. C'est eux qui devaient convertir de force. Les Templiers, eux, auront comme objectif lors des croisades de protéger les routes des pèlerins pour un justement pèlerinage à Jérusalem. Donc ça sera eux en fait qui s'occupera de tout ce qui est de protection des pèlerins. Et pour finir, il y aura l'ordre des hospitaliers. L'ordre des hospitaliers regroupe énormément de personnes différentes. L'ordre le plus connu des hospitaliers, c'est l'ordre de Saint-Jean. Et ces ordres-là auront plus comme objectif un objectif humain. Parce que le mot, je vous rappelle que le mot hospitalier provient du mot hospital. Et le mot hospital deviendra par la suite le mot hôpital. Et ça vient justement de cette origine-là. Tout ce que faisait leur travail c'était énormément concentré sur l'aide aux gens. Ils construisaient des hôpitaux, tout ça, et ils s'occupaient de soigner les malades, les hospitaliers surtout. Mais bien évidemment, étant donné que c'est un ordre religieux, donc toujours un ordre guerrier, faut pas l'oublier quand même, et avait aussi comme devoir d'aider les rois de Jérusalem. Donc elle intervient au même titre qu'ordre des Templiers dans des guerres parfois nécessaires, hein, pour gagner. Certes, c'est des ordres à base religieux, ayant un mini objectif, on va dire, quand même. Et par la suite, ça viendra beaucoup plus que ça. Il faut savoir que chaque ordre va établir en Occident des commandanteries. Une commandanterie, en fait, c'est un endroit où vous recrutez des gens. Tout simplement. Puis Romain d'Orient, Byzance, les remparts accrétés quand il va disparaître, c'est ça. Donc ils ont besoin de nous. Qu'est-ce qui se passe? Ça c'est... J'ai moins de... Donc voilà, c'est en gros vraiment le... Andalousie, c'est où ça? Je sais plus en fait où est l'Andalousie en fait. Ouais, ça va. Donc on va y participer. Pour cette bonne raison que on veut faire une conquête un peu mondiale, il faut dire ce qui est. Donc pour cette conquête là, et là je suis en pleine réflexion en fait. Que si jamais je dépêche toute mon armée en Andalousie, que je comptais faire avec les piquets, je risque de me faire justement bientôt attaquer par les hordes d'or, hein. Qui d'ailleurs doit avoir voilà. Et c'est pas mes cavaliers seuls qui vont pouvoir s'en sortir contre eux, hein. Faut être honnête. Donc on va ouais, c'est bon, je sais comment on va faire. On va envoyer uniquement cet ordre là, cet ordre entre guillemets, moi j'appelle ça un ordre, étant quand même c'est quand même une armée assez conséquente, participer à cette croisade.
On va récupérer Gandalouzi pour nous, hein. On va récupérer Gandalouzi pour nous. Le royaume d'Andalousie, ça doit être ici, ouais c'est ça. Le pire c'est que je savais qu'il était là. Je savais que c'était en Espagne dans Andalousie, mais c'était sorti de la tête sur moi. Bon, pour l'instant personne n'y a encore participé. Faut que je limite en fait le nombre de pertes dans ma cavalerie. Bon, je vais reconstituer rapidement, il est vrai. Mais c'est pas une raison de quand même l'envoyer au casse-pipe. Hein. Ah, c'est bon, j'ai compris. C'était déjà fort. Je sais maintenant. Je sais pourquoi en fait ils mettent tout ça, c'est parce qu'ils ont des comptoirs commerciaux, c'est ça. Et comptoirs commerciaux appartiennent à moi, ouais, c'est pour ça. Par contre mon escorte là va se faire totalement plier étant donné que j'ai pas de généraux dessus. Non, repli. Oh, ça fait chier, putain. J'ai perdu un groupe, c'est pas le problème, mais... Vague... Putain, ça pourrait arrêter de laguer quand même, ça... Là, j'ai pété un pont parce que ça... Honnêtement, j'ai pété un pont, j'en ai marre des ralentissements inutiles là, du jeu. Je vous ai déjà dit ce que je pensais d'un jeu, comment ça devait marcher, et franchement... Il y a une limite qu'il faut pas dépasser. C'est bon, l'escorte là n'existe plus, c'est bon. Elle n'existe plus, ça sert à rien que je m'emmerde avec elle. Hop, supprimer. Voilà, on va construire vite fait. $500 × 40, c'est ça. C'est tout. Ouais, je peux aller plus haut, mais... Hop, voilà. Sortons de la vallée ici. Aller chercher ma cavalerie lourde. Bon, comme je voulais dire, j'en ai marre des lags dans les jeux. Bon, c'est pas grave que j'ai perdu l'escorte, vous avez vu l'argent que j'avais, c'est pas le problème. Ça vous apprendra aussi à ne pas croire qu'une escorte c'est invincible. Hein. Ah, mon escorte est certes puissante, mais peut être vaincue. Certes, ils ont des stats supérieures aux troupes standards. Par exemple, l'infanterie lourde a une meilleure défense que les... quand vous prenez sous escorte que les autres. J'en ai marre des gags. Honnêtement, j'en ai marre. Là, ça s'ouvre un autre, mais ça pose pas problème. Mais les frises, tout ça, je supporte plus sur ce jeu. Je supporte plus. J'ai encore eu un freeze là, à l'instant. Je sais pas comment ça se fait qu'il y ait autant de frises. Mais... Bon, on va finir cette croisade pour Andalousie. Il en manquera un. Je sais.
ce que j'aime bien, c'est que... Bon, tant pis. Scammer pour tous ces lags. J'ai quand même fait 90% du bordel pour l'instant. Bon, les hordes d'or avancent beaucoup, donc la question c'est à savoir sur qui va taper après en fait. Pareil, écoute, il va arriver au même moment, le 25, voilà. Mais bon, eux, ils ont pas de cavalerie ou autre comparé à moi, donc... Oui, voilà, quand j'ai un problème, je le sais, j'envoie cette escorte-là quand j'ai un problème quelque part. C'est une escorte la plus puissante, après tout. Faut bien qu'elle serve à quelque chose de temps en temps, hein. Ah, c'est bon, il a compris, voilà. Comme je vous l'ai déjà appris, pour augmenter plus vos points ici, vous laissez vos unités en tant qu'assiégeants et non pas vous forcer l'attaque comme je l'ai fait. Comme ça, vous gagnerez beaucoup plus de pourcentage. Pratique surtout quand vous n'avez pas tous les pourcentages nécessaires. Mais comme moi, là, je suis premier, je préfère... J'ai le front en jeu, en capturer rapidement. Donc, on peut, lui, il est content, il arrête. Voilà, boum, allez. Le comté d'Antioche avec tout ce qu'il y a dedans. Et tot, duché d'Antioche derrière. Je peux déclarer guerre parce que... Il est allié avec moi dans une guerre. Bon, c'est pas grave. Bon, on va s'arrêter là pour cette vidéo, donc on a fini cette guerre, bon, avec beaucoup de pertes, mais nous l'avons fini. Notre escorte-là était totalement décimée, mais nous la remettons en service, hein. Bon, ça me coûte cher, mais ça sera vite remis. Donc, je vous remercie de m'avoir regardé pour cette vidéo, je m'excuse encore du lag, évidemment que ça me procure ces lags, mais ça me gêne surtout pour vous. Donc, merci encore à toutes et à tous de m'avoir suivi, je vous dis à la prochaine fois, et vive les jeux vidéo.